on écoute. Dès que les cuivres embarquent, là, c'est trop séduisant. Pourquoi cette chanson-là aussi forte que ça? Tu me l'as dit, c'est ta préférée peut-être. Ben, c'est ma préférée. Pour moi, c'est la plus belle œuvre musicale auquel j'ai eu l'occasion de participer. Fait que j'en suis très fier. Alex Finkin, qui est le réalisateur de l'album, il s'est donné là, avec une générosité incroyable, a écrit des partitions incroyables. Tous les musiciens qui ont travaillé là-dessus. Il était tellement fier. Puis il y en a beaucoup qui m'ont dit que ça n'existe plus des albums où il n'y a plus de son fake, mais il n'y a plus de son digital, il n'y a rien de ça. Tout est vrai. Ça a été enregistré dans une vieille console, les vieux amplis. À l'ancienne, on a tout fait ça de façon la plus pure et analogue. Ouais, moi, je rajouterais brut. Brut. C'est ça que tu voulais comme ça. Vraiment. Il y a des belles collabos. Il y a des belles collabos. Marie-Mé, entre autres, avec Ain't No Mountain High. On écoute.